Alors, déjà troisième soirée de playoff là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y avait un Nets Raptors. Donc, c'était game 1. Game 1 qui a été perdu par les Nets, mais qui n'était pas ridicule. Alors, Joe Harris qui vient de quitter la bulle. Le français Luau Cabarrot qui fait des playoffs incroyables et qui était passé dans le 5 de départ. Jarrett Allen, 14 points. Caris Temple, 21 points. Et Caris LeVert, 16. Kuruc, 2 points. Tyler Johnson, 12 points. Chris Chiosa, 3 points. Ok. Donc, du coup, ils ont réussi à tenir la baraque, mais à la fin, Raptors ont gagné. Mais ils ont été loin d'être ridicules. Alors, du côté des Raptors, OJ, mes 6 points, Pascal, 19. Gasol 0 points, il a dû se passer un truc. Fred 24 points, Kyle Lowry 21 points, Norman Powell 24 points, Serge 8 points, Police Jefferson 0 et Chris Boucher 2 points. Okay. Deuxième victoire des Raptors, elle mène la série 2 à 0. Alors, Jazz at Nuggets. Et donc, dans ce game 1 où Donovan Mitchell a signé la troisième ou quatrième meilleure perf de tous les temps en playoff. Alors, ça c'est quelle équipe? Ça c'est le Jazz. Alors, Royce O'Neal 9. Juwan Morgan quitte 5. Rudy 19. Joe Ingles 18. Donovan Mitchell 30. Alors, Jordan Clarkson, 26 points. George Niang, 7, qui reste constant. Manuel Mudiay, 5. Tony Bradley, 3. Jarrell Brantley, 0. Mai Oni. Non, j'arrive. Alors, j'ai mal lu. Alors, qui avait 0? C'est bien Jarrell Bentley. Ok. Mayoni, il a 2. Goss et Tucker, ils ont 0 et 0. Quatre points, donc ils battent Denver. Michael Porter Jr. 28 points, Paul Millsap 5, Jokic 28, Torrey Craig 0. Jamal Murray, 14 points. Jeremy Grant, 8. Monte Morris, 10.
Puis j'ai dosier 5. Plumlee 0. Troy Daniel 5. Il est pas joué au match précédent. Bol Bol 2. Tyler Cook 0. Et Base Chop 0 aussi. Défaite des Nuggets. Pourquoi traitement 0%? Alors, Sixers, Celtics. Et ouais, Celtics qui mène 2-0. Et Gordon Hayward qui ne sera pas là, qui est out indéfinitivement. Définitivement, pardon. Alors Jalen Brown 20. Jason Tatum 33. Daniel Theis 10. Marcus Smart qui le remplace. Kemba Walker. Ogele 3. Grant Williams 9. Wanamaker 7. Enes Kanter 10. Romeo Langford 6. Robert Williams 3. 0. Javon Green 3. Enfin Taco Fall 3. Français Poirier l'a pas joué. Non, un petit problème parce qu'ils ont 128 points, moi j'en ai 133. De 33 10 22 20 10 22 20. Ok, ça c'est bon. Alors Olé J3 Williams 9 Wanamaker 7 Nescanter 10 Langford 0. Et voilà. Non. Langford 6 points. Ok. Robert Williams sur 0. Et Green 3 et Taco Fall 3. Ouais. Où est-ce que j'ai mis 3 points en plus? Marcus Smart 10 points. Ouais. Oh non. Alors, Tatum 33. Théis a mis 2 points. Pourquoi j'ai mis Marcus Smart 10 points, Kemba Walker 22 et Jalen Brown 20 points. Ok, Olé J 3, Grant Williams 9. Wanamaker 7. Enes Kanter 10.
Langue fort 6 points. Robert Williams de sueur 0. Javonte Green 3. Et enfin Taco Fall 3. C'est marrant ça, hein? Je vais refaire une somme là. Ouais, 128, ouais, il y avait un problème. Ok, donc ça, victoire des 6. Et ça sent pas bon du tout pour les Sixers. Qui vont de déception en déception. Alors, Mathis Thybulle qui était pas, le rookie, il était passé dans le 5. Pas terrible. 13, Tobias Harris. 34 pour Embiid. 18 pour Richardson. Chet Milton, 14. Alors, Ford, 4 points. Raoul Neto 5. Alec Burks 2 points. Korkmaz 3. Alors, Pell 0. Mike Scott 6. Queen 0. Voilà, défaite des Sixers. Et enfin, dernier match de la soirée, les Clippers qui se font rejoindre un partout. Ah, Kawhi, il met 35 points. Marcus Morris, 14. Subach, 3. Paul George, 14. Reggie Jackson, qui était dans le 5. Williams, 23. Montrezl Harrell, 10. Landry Shamet 2. Jamaica Green 2. Torrance Mann 0. Magruder 0. Joaquin Noah 0 aussi. Et enfin encore un 0 avec... Non mais c'était bon. Personne n'a pas joué. Donc, théoriquement, ils ont 114 points. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est Dallas qui égalise un partout. Avec Tim Hardaway, 17. Porzingis qui met 23 points. Kleber, 4. Ok. Finney-Smith, 8. Et enfin, Lucas Doncic, 28 points. Après, c'est 42 points. Kidd-Gilchrist, 0. Treiberg, 16. Seth Curry, 15. Marjanovic, 13 points. Et enfin, Delon Wright, 3. Est-ce que les Mavs seraient capables de renverser ces Clippers là?
tout est possible.